Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour la première mise à jour de 2019. Donc nous sommes le 2 janvier 2019 et j'espère que cette année a très bien commencé pour vous. Donc en fait dans cette mise à jour, elle est très légère en fait. Et il y a de nouveaux vêtements et il y a un nouvel item à la boutique des Staravi à Mourland. Alors on va aller voir, parce que je suis Staravi donc on va aller voir tout de suite. Hop, c'est ici. Oh, ils ont refait le PNJ. Oh, c'est une sacoche. Je vais pouvoir mettre le petit chien. Enfin, j'ai d'autres sacoches, mais j'avais trop la flemme, en fait, d'en chercher. Donc, on va regarder ça plus en détail. Et ça allait avec un ensemble que j'avais déjà pris dans une autre vidéo. Oui, j'aime bien. Avec le petit cheval, comme ça, avec les espèces de trucs en arc de cercle, je sais pas comment ça s'appelle, mais franchement j'adore le motif et oui j'aime bien moi. Donc il y a également un nouvel ensemble à Jorvik City, donc on va y aller tout de suite. Donc j'espère que ça va pas coûter la blade, parce que généralement les nouveaux ensembles ils coûtent hyper cher en Star Coins, donc j'espère que ça va pas coûter une blade. Et pour le village de Noël, il m'a disparu, voilà, il est enlevé puisque ça restait jusque aujourd'hui. Voilà, donc on va commencer par la tenue de la cavalière. On va voir tout de suite ce que ça donne. Espérons que ça coûte pas cher. Oh, les prix, non! Star Stable, arrêtez avec les prix, c'est cher. Par contre, le chapeau, il est stylé. Il est très grand, oui, mais il est stylé. J'adore. Mais 69 Star Coins, quoi. Non, arrêtez. La veste, elle est stylée aussi, hein. Mais 109, quoi. Non, non. On peut même pas les payer avec les shillings, quoi. Ça se fait pas, ça. Les gants, je suis pas spécialement fan, mais ils sont super bien faits, je trouve. Ça va, 39 Star Coins pour les gants, ça peut encore aller. Le pantalon, je suis pas trop fan. Je sais pas, je le trouve un petit peu bizarre. Ça nous fait des grosses fesses. Non, je suis pas trop fan du pantalon. Les bottes, par contre, elles sont stylées. Surtout devant, en fait, elles sont hyper stylées, regardez. C'est beau, ça. Ouais, donc après, il n'y a rien d'autre. Et donc, maintenant, on va aller voir pour les chevaux. Donc, là, un petit bug qui fait toujours plaisir. Il n'y a jamais une mise à jour sans bug. C'est magnifique. Donc, pour les chevaux, ça va coûter certainement cher comme la tenue pour la cavalière, ce qui est quand même assez décevant. Donc, on va regarder ça de plus près. Voilà. La selle, j'aime bien, mais elle coûte cher encore une fois. Merci Star Stable. Ben, ça va, 109 Star Coins. Non, ça va pas en fait, c'est cher. Mais là, 122, quoi, pour la selle Kaltan, quoi. Donc, c'est la selle d'hiver Big Sky. Ça coûte hyper cher. Le tapis, je le trouve assez stylé. Ouais, le tapis, j'aime bien, moi. Il est super beau, super bien fait, je trouve. Ah, ici, on voit pas. Moi, j'aime bien le tapis. Et la bride. Là, la bride, elle est stylée, quand même. Je vais voir de plus près. S'il pouvait arrêter de manger, ce serait une bonne chose, parce que je n'arrive pas à avoir la bride à cause de ça. Ouais, la bride, elle est pas mal. Mais je sais pas. C'est beaucoup trop cher. Ils font des trucs beaucoup, beaucoup trop chers. La mise à jour est très courte, oui, mais il faut pas en vouloir à Star Stable, puisqu'ils prennent un peu des vacances. Cela dit, voilà, c'est pas non plus génial de nous faire des mises à jour aussi vides. Mais voilà quoi, faut les comprendre. Et puis en plus ils travaillent aussi sur d'autres mises à jour qui sont plus grosses. Ils travaillent sur par exemple, notamment comme ils disaient dans les nouvelles, si vous lisez les nouvelles, ils travaillent sur les missions avec les Soul Riders, ainsi qu'avec leur remake. Donc faut pas leur en vouloir, vu qu'ils travaillent sur ça.
Et donc voilà, faut pas juger trop vite. Et je pense que à la place de les dénigrer, on devrait leur remercier pour leur travail. Enfin, cela dit, quand même, les vêtements, ils sont hyper chers. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'accepte pas. C'est beaucoup trop cher, et pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter des StarCoins, bah, c'est vraiment pas sympa de la part de SSO. Au moins mettre un peu de shillings, quoi, vous voyez. Enfin, je sais pas, c'est énervant ça. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus!